super machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, même dans les grands trous. Les super machines, pour tirer, pour lever ou pour voler, construire une tour qui monte dans le ciel, pour les travaux légers ou industriels. Les super machines, des moteurs, des avions et des remorqueurs, des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons. Super machine, lourde, énorme et solide, et pas partout, mais dans les grands trous. Les super machine, nous aider à bien travailler. Les super machine. Bonjour les amis, bienvenue dans la forêt. Je suis une abatteuse empileuse. On m'appelle abatteuse tout court parce que mon travail consiste à abattre des arbres. Mais ne vous inquiétez pas, je n'abats pas tous les arbres, seulement ceux qu'on me dit de couper. Vous voyez? Je viens de couper cet arbre. L'arbre n'est pas tombé parce que je le tiens dans mes bras. Je vais juste le déposer doucement ici. Voilà, c'est fait. Je vais vous montrer en gros plan. Ce grand machin que je porte à l'avant de moi est la partie importante qui effectue le travail. Ce truc rond que vous voyez ici en bas est ma scie. Lorsque ma scie tourne, elle peut couper un arbre en deux temps, trois mouvements. Je saisis l'arbre avec mes bras et je le tiens fermement en place pour que l'arbre ne tombe pas et ne se fasse pas endommager. Mes bras sont très puissants, mais ils manipulent les arbres avec soin. Je peux tourner l'unité au complet sur son côté, comme ceci. Je peux la tourner dans tous les sens. Puis, je peux déposer l'arbre là où je veux. Hey! Je vous parie que vous ne saviez pas que je pouvais faire ceci. Regardez! Youpi! Ma cabine peut tourner entièrement sur elle-même. Ça, c'est très utile, car ça me permet de déposer les arbres coupés au meilleur endroit. Maintenant, je vais reculer un peu et vous montrer quelque chose de génial. Moi, je suis équipée de chenilles. Je n'ai pas de roues. Les chenilles fonctionnent très bien dans la forêt parce qu'elles peuvent circuler sur un terrain accidenté. Puis, oh, regardez, je peux faire aller une chenille dans un sens et l'autre chenille dans l'autre sens, ce qui me permet de faire un tour complet sur place. Très peu de machines peuvent en faire autant. Ça devient très utile lorsque les arbres sont rapprochés. Bon, j'ai assez parlé. Je vais vous montrer ce que je peux faire. Mais tenez-vous à distance pour ne pas vous faire blesser. Vous pourriez peut-être vous cacher derrière les arbres. Parfait. Maintenant, je cherche le bon arbre. Je l'ai trouvé. Incroyable, n'est-ce pas? C'est si rapide! Je coupe l'arbre en un rien de temps. Je dois maintenant trouver un endroit pour le déposer. Oups! Une branche a cassé. Doucement. C'est ce que je dis toujours. Doucement. Pour que personne ne se fasse blesser. Ici, c'est bon. Voilà, c'est fait. Il faut faire attention lorsqu'on coupe les arbres dans la forêt pour ne pas endommager le terrain. C'est pourquoi il est préférable de couper le bois en hiver. Le sol est gelé et il est recouvert d'une épaisse couche de neige qui protège le tapis forestier.
Maintenant, où sont les autres arbres que je dois abattre? Ah! En voilà un! Vous voyez ces arbres qui ont une marque rouge? Ça veut dire que je dois les abattre. Ceux qui ont la marque W en bleu, je les laisse. Ils sont destinés aux espèces sauvages comme les oiseaux, les écureuils et les insectes. On n'abat pas tous les arbres. On coupe ceux qui sont morts et ceux qui sont petits pour faire de la place afin que les arbres en santé puissent pousser. On transforme les grands arbres en bois de sillage, puis on laisse le reste. De cette manière, la forêt demeure en santé et elle contient différentes tailles et variétés d'arbres. Je suis pas mal certain qu'il y en a d'autres avec des marques rouges autour d'ici. En voilà un! Cet arbre n'est pas en très bon état. En le coupant, il fera de la place pour que les autres arbres puissent pousser. C'est bon pour le sol de laisser les arbres se décomposer. Je vais juste le laisser ici. Ah! Maintenant, j'ai trouvé un arbre de bonne taille ici, derrière. Waouh! Qu'il est lourd! Mais je le tiens fermement. Oh! Oh! C'est tout un défi! Mais je vais y arriver! Excellent! Aucun dommage! Je vais le laisser ici pour que les débusqueuses viennent le ramasser. J'entends des débusqueuses qui arrivent! Bonjour, débusqueuses! Comment ça va, mon ami? Très bien, batteuse! Hé, est-ce que tu abats ou tu rabotes les arbres? Débusqueuse la blagueuse! Tes blagues me font rire! Pourquoi ne montres-tu pas à nos amis comment tu traînes les troncs d'arbres jusqu'au chemin? Certainement! Je peux faire ça! Regardez bien, les amis! Je vais stationner ici pendant un moment et mon opérateur va entourer les troncs d'arbres de câbles d'acier. Je peux prendre 5 et même 6 troncs d'arbres à la fois. Merci. Vous voyez? Génial! Je n'ai qu'à les lever à l'aide du treuil et puis c'est parti! Vous voyez? Je ne fais que les débusquer. C'est pour ça qu'on m'appelle débusqueuse! Débusqueuse la blagueuse! C'est aussi facile que de tirer au toboggan! Waouh! Cette neige est très profonde! C'est une bonne chose que j'ai des gros pneus. Ils me permettent de rouler sur les roches et les souches. Les chaînes m'offrent une meilleure adhérence au sol. Mais ce que j'aime le plus, c'est le bruit qu'elles font. C'est ici que je décharge les troncs d'arbres et qu'ils se font ramasser par le camion grumier. Il y en a déjà une bonne pile ici. Je dois simplement détacher ces câbles. Ces troncs d'arbres sont pas mal gros. Ils vont être transformés en bois de sillage de bonne qualité. Beaucoup de belles choses sont fabriquées en bois. Le bois, le bois, le bois, le bois, des choses merveilleuses sont faites en bois. Ça y est! À présent, je vais enrouler ce câble, puis je vais repartir. Voilà, ça monte! Abatteuse devrait maintenant avoir d'autres troncs d'arbres qui m'attendent. Oh là 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 là! Regardez tous ces troncs d'arbres en désordre! Une vieille débusqueuse comme moi ne peut pas laisser les choses comme ça! Je sais! Je vais utiliser ma lame pour les empiler!
Allez, monte là-haut. Monte là-haut. Allez. Ça, c'est mieux. J'aime que les piles soient ordonnées. Voilà mon partenaire, débusqueur. Y a-t-il d'autres troncs d'arbres dans la forêt que moi je pourrais débusquer? Tu veux rire? Abatteuse travaille tellement vite qu'on doit travailler les deux ensemble pour aller aussi vite qu'elle. C'est une belle pile de troncs d'arbres qu'on a là. Il n'y en a pas encore assez pour remplir un camion grumier. Il reste encore beaucoup de troncs d'arbres dans la forêt qu'on doit débusquer. Oh, d'accord, d'accord. Alors je ferais mieux de me dépêcher. J'ai entendu à ma radio que des camions étaient en chemin. C'est la troisième fois aujourd'hui que je viens ramasser des troncs d'arbres. J'espère que Chargeuse va les avoir bien organisés. Je déteste attendre. Bonjour, Chargeuse. Est-ce que tout est prêt? Absolument. Je suis prête à vous charger. Pas besoin d'attendre. Je vais juste essayer d'en trouver un bon. Non, celui-ci est trop mince. Voilà, celui-ci est en plein ce que je cherchais. Droit et gros, comme on les aime. Je monte et je le dépose. Regardez, c'est parfait. Fantastique. Vous voyez, les amis, je suis un camion moi-même, avec une grue à l'arrière. Je peux me déplacer pour saisir les troncs d'arbres. Je peux pivoter, tourner et soulever n'importe quoi avec ma pince. Eh bien, pratiquement n'importe quoi. Ces troncs d'arbres très longs ne posent aucun problème pour moi. Regardez-moi saisir celui qui est juste ici. Je le soulève. Parfait. Puis je le dépose ici. Voici mes pieds. J'ai des pieds stabilisateurs. Je ne voudrais pas basculer lorsque je saisis quelque chose de lourd. Hé, celui-ci est cassé. Tant pis. Ça ne pose aucun problème, car il va être coupé en morceaux. Celui-ci est un peu lourd. Pour l'équilibrer, je dois le saisir au centre. Je dois placer les troncs d'arbres les uns contre les autres sur la plateforme du camion pour qu'ils ne bougent pas. Ouais, je ne veux pas que ces troncs d'arbres roulent partout à l'arrière pendant que je conduis. Certains de ces chemins forestiers sont chaotiques. Il est coincé. Allez. Voilà. Une fois que je l'ai saisi, le travail est simple comme bonjour. Hé, chargeuse, assure-toi que la charge soit bien équilibrée. Je ne voudrais pas qu'elle renverse. Ne t'en fais pas, je suis une experte.
Non, pas comme ça. Peut-être comme ça. Reste là. Peut-être par ici. Celle-là, elle fait à sa tête. Ça, c'est mieux. Maintenant, ne bouge pas. Enfin, j'ai une charge complète. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'arrimer la charge. Voici un de mes câbles. Ils sont fins, mais ils sont très robustes. Il n'est pas toujours facile de conduire sur les chemins forestiers. On monte, on descend, on monte la colline, on vire. Parfois, j'ai du mal à rester sur la route. Si on rapproche les troncs d'arbres ensemble, cette charge ne bougera pas. Je suis prêt à partir. Allez, c'est le temps de rouler. Oui, chargeuse. Comme d'habitude, tu as fait un excellent travail. Merci. Il n'y a pas de quoi. À plus tard. Ce chemin forestier est en bon état aujourd'hui. Heureusement que mon moteur est gros. C'est ça qui me donne la puissance pour faire le travail. Je suis content que cette colline soit recouverte de sable. Le sable me donne la traction nécessaire pour rester sur le chemin. Ça prend toutes mes forces, mais j'y arrive. Il y a d'autres arbres que je dois abattre juste par ici. Où sont-ils? Ah! En voilà un! Ces débusqueuses parlent toujours de tous les arbres qu'elles peuvent traîner. Je pense que je vais rigoler un peu avec elles avant la fin de la journée. Regardez. Zip! 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 Ça devrait garder les débusqueuses blagueuses occupées pendant un bon bout de temps. Waouh! J'ai du mal à travailler au même rythme qu'abatteuse. Elle est tellement rapide. Je passe ma journée à faire le va-et-vient constant pour transporter les troncs d'arbres jusqu'au chemin. Mais ça ne me dérange pas. Ça me garde au chaud pendant une journée froide d'hiver. Bonjour, débusqueur. Et tu as une grosse journée de travail aujourd'hui? Oui, je suis crevé. Cette abatteuse empileuse travaille plus vite qu'un castor. Hé, hey, si c'est de la sympathie que tu cherches, tu te trompes d'adresse. C'est le temps d'y aller. Ton partenaire est arrivé. Bonjour, débusqueuse. Chargeuse dit des blagues boiteuses. Hé, hey, vous autres, avez-vous entendu celle à propos du débusqueur à l'heure de départ? Non. Il a dit, c'est le temps de débusquer le débusqueur. Oh, c'est pas mal drôle.
Oh, voyons, débusquer le débusqueur. Celle-là est boiteuse. C'est une blague de débusqueur. On passe toujours notre temps à rire. Allez, mettez-vous à l'œuvre. Empilez ces troncs d'arbres. Tu n'as rien à faire jusqu'à l'arrivée du prochain camion? J'ai entendu à ma radio qu'il est encore loin d'ici. Alors, si tu n'es pas occupé, pourquoi ne montres-tu pas à nos amis ce que tu peux faire? C'est une bonne idée. Ouais, tu peux leur faire un spectacle de tes prouesses. Oui, d'accord. Comme ça? J'ai du talent, n'est-ce pas? Youpi! Hé, je pensais que vous étiez à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. C'était l'idée de chargeuse. Débusqueuse doit filer. À plus tard. Je ne faisais que montrer aux enfants mes talents. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas leur montrer que tu as du talent pour remplir la plateforme? D'accord. Ces troncs d'arbres sont faciles à déplacer. Je les soulève facilement comme s'ils étaient des cure-dents. J'aurais fini en un rien de temps. Voici mon opérateur, Louis. Il maîtrise bien toutes mes commandes. C'est un vrai professionnel. Ces barres sont des barres de sécurité. Je dois protéger mon opérateur. Allez, on monte. Encore deux et c'est terminé. Ouf! On a eu une journée très occupée. Juste quelques arbres de plus, puis on a fini. Oh, génial! Ces troncs d'arbres vont faire du bon bois de sillage. Ça, c'est mon dernier chargement. J'ai fini pour la journée. Ces troncs d'arbres sont pas mal beaux. Voilà le dernier. Tu es vraiment plein. Je dois avouer, chargeuse, tu es rapide. Je suis imbattable. Ok, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et moi, je vais partir dès que la charge sera arrimée. Regardez. En haut et par-dessus. C'est bon. Mon conducteur est très compétent. Ces troncs d'arbres sont extrêmement lourds. Mais on ne peut pas courir le risque d'en perdre un le long de la route. Attachez les câbles pour qu'ils soient serrés. Maintenant, cette charge ne bougera pas. Attachez-les comme il faut. Un peu plus. Plus serré. Encore un autre tour. Ça y est. Je pars pour la Syrie. À plus tard, chargeuse. Au revoir. À demain. Ce chemin forestier est très étroit. Je dois faire attention pour ne pas déraper dans un banc de neige. Mon conducteur doit aussi vérifier qu'il n'y a pas d'autres véhicules sur la route. Vous voyez comme le chemin est étroit?
Deux camions ne passeraient jamais. Parfait. La voie est libre tout le long. Je vais pouvoir décharger ces troncs d'arbres à la scierie avant le coucher du soleil. Ces machines qui travaillent dans la forêt sont impressionnantes, n'est-ce pas? Tous ces arbres qu'elles abattent vont servir à fabriquer du bois pour construire des maisons, des meubles, des tables à pique-nique et toutes sortes de choses. Peut-être même une cabane dans un arbre. Merci d'avoir été des nôtres, les amis. À la prochaine! Super machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, même dans les grands trous. Super machine, pour tirer, pour lever ou pour voler. Construire une tour qui monte dans le ciel, pour les travaux légers ou industriels. Super machine. Des moteurs, des avions et des remorqueurs. Des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons. Super machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, mais dans les grands trous. Super machine, nous aider à bien travailler. Super machine.